Quel est le secret le mieux gardé du Centre Segal? Je pense que c'est le bâtiment, c'est le lieu, son atmosphère. Le bâtiment date de 1967. Il a été dessiné par Phyllis Lambert, qui est bien connu ici des Montréalais, très inspiré de Miss Van Der Rohe. Alors on est un théâtre qui n'a pas de mur extérieur. Nous n'avons que des vitres. C'est un gros défi pour faire des spectacles parfois, pour faire le noir. Mais ça donne aussi une atmosphère très ouverte, très chaleureuse à l'endroit. Et c'est ça que les gens apprécient ici. Et ça nous permet ici de produire des spectacles uniques dans plusieurs langues, en français, en anglais, en yiddish aussi, et puis d'accueillir une grande variété de spectacles. Alors venez, voilà, venez découvrir le lieu, vous l'aimerez sûrement.